Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire... Pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine, et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit, monsieur le député. Oui, non, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit, monsieur le député. Oui, non, un peu de modestie. Brésil, hélas, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement, toute personne qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. A hidroxicloroquina está proibido. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. De ça a été tardive. Deus foi tão abençoado que nos deu até a hidroxicloroquina para quem se acometeu da doença. E quem não acreditou, engula agora. Eu não sou médico, mas sou usado como cabra da peste nordestino. Cloroquina, cloroquina, cloroquina do SUS. Eu sei.